Et la Corse, c'est à 100 km? Non? Oh. Il est 10 h? Il est 10 h? Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Bonjour à toutes et à toutes pour ce culte de l'église protestante évangélique d'Antibes, un culte qui est encore à distance, comme vous le savez tous. Alors j'imagine que vous aussi vous ressentez cette petite excitation face au déconfinement qui commence lundi, demain prochain. Et même si certains apprécient quand même hein, ce temps de confinement, et j'en connais, je vous assure, la plupart du temps, nous vous attendez de pouvoir retrouver, revoir les gens que vous aimez, refaire des câlins, refaire la bise, se serrer une poignée de main, simplement se revoir en vrai. Et cet espoir du déconfinement, du retour à la normale, il est en chacun de nous. On a beaucoup parlé de l'espoir la semaine dernière avec Yota. Son dernier chant s'intitulait Jésus, espoir des nations. Et l'espoir qu'on a du confinement, il est différent de cet espoir qui est en Jésus. Parce que par exemple, il n'y a toujours pas de vaccin. Hein. Il n'y a toujours pas d'immunité collective. Alors on a des masques qui arrivent dans les supermarchés, on va pouvoir se protéger. Mais il reste un lot d'incertitudes. Potentiellement une deuxième vague, une troisième vague épidémique. C'est un espoir avec des risques, vous voyez? Et pour que cet espoir se réalise, en plus, il va falloir faire des choses. Il va falloir être sage, se protéger, être prudent, limiter les contacts encore, limiter ses déplacements à 100 km. Et on va pas pouvoir se retrouver en tant qu'église avant encore quelques semaines, probablement. Cet espoir, il est sous condition. Et moi, j'aimerais vous parler d'un espoir qui n'est pas sous condition. L'espoir qui est donné par Dieu, l'espoir qui est en Jésus. Et pour cela, on va lire un texte dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 7, dans la version Bible du Semeur, et je vais demander à Priscille, ma femme, de le lire. 1 Pierre 1, versets 3 à 7, dans la version de la Bible du Semeur. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie.
Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Merci Priscille pour la lecture. Et du coup, je vais laisser place à l'équipe Louange qui avait envie de vous parler, de nous parler de tout ce que Dieu fait pour nous, de comment il prend soin de nous. Et tout ce qu'il fait pour nous, par amour pour nous, nous prouve son amour et nous aide à lui faire confiance. Et si on lui fait confiance, eh bien, notre espoir dans l'avenir, il est sans commune mesure avec l'espoir du déconfinement. Notre espoir dans l'avenir, il est basé sur Dieu et on sait que lui ne nous décevra pas. Allez, place à l'équipe Louange. Bonjour. Selon les circonstances qui nous touchent, ce n'est pas toujours notre premier réflexe d'être reconnaissant et de louer Dieu. Pourtant, lorsqu'on regarde à lui tel qu'il est réellement, ben ça devient une évidence. En fait, c'est par la venue de Jésus, le Messie, par tout ce qu'il a accompli, par sa mort, sa résurrection, mais aussi par la vie qu'il porte, que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et de cette grâce de Dieu, nous avons le privilège de pouvoir vivre au quotidien une communion avec lui. Il nous offre en plus un avenir et une espérance, et il nous ouvre les cieux. Alors pourquoi louer Dieu? Tout simplement parce qu'il m'a aimé le premier et de toute sa puissance. Parce que mon âme peut se confier en lui en toute confiance. Parce qu'il m'a fait connaître les sentiers de la vie. Il me remplit de joie par sa présence. Voici un chant qui parlera à tous, mais particulièrement à notre jeunesse. Le titre est « Cœur de Père ». Louer Dieu, pourquoi? Tout simplement, parce que de lui vient mon espérance, parce qu'il s'est incliné vers moi, parce qu'il m'a retiré de la fosse de la destruction et a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, parce qu'il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et parce qu'en célébrant Dieu, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme qu'il a délivrée. Jésus a mis un chant dans nos cœurs,
Jésus a mis un chant dans nos cœurs. C'est un chant de joie que nul ne peut nous ravir. Jésus, tu as mis un chant dans notre cœur. Jésus, tu as fait de nous des frères et sœurs. Jésus, tu as fait de nous des frères et sœurs. Et en nous aimant, nous serons dignes de toi. Jésus, tu as fait de nous une famille. Jésus, tu nous as donné la vie. Jésus, tu nous as donné la vie. Comme un fleuve qui déborde de notre cœur, tu veux la répandre tout autour de nous. Jésus a changé mes larmes en danse. Jésus a changé mes larmes en danse. Tu as rempli ma vie d'amour et d'espérance. Jésus, c'est pour toi que je danse de joie. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, je louerai ton saint nom. Le jour se lève, voici l'aurore, l'heure est venue de te chanter. Devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, puisse mon chant s'entendre la nuit tombée. Bénis Dieu, mon âme. Gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je louerai ton saint nom. Dieu bienveillant, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est te révèle et dévoile à nos yeux. 10 000 raisons de te louer, mon Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Jamais, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Le temps viendra de quitter ce monde, quand toutes mes forces m'auront quitté. Mon âme sans cesse chantera ta gloire. 10 millénaires et pour l'éternité. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde libre aux zéphyrs, son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors oui, je veux louer Dieu, tout simplement, parce qu'il a fait de moi son enfant bien-aimé, parce qu'il me remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle merveilleuse espérance s'attache à son appel, parce qu'il est bon et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui l'appellent, parce qu'il m'a préparé une place dans sa maison, parce qu'il aime la droiture et déteste le vol avec sa perfidie, parce que ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste, il est fidèle. Parce que ses bontés ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent, et parce qu'il est mon bien.
unique comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. L'une est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Le Dieu des temps et d'éternité, par qui l'histoire est orchestrée, notre Dieu règne à jamais. Un mot de lui, le monde apparaît, par amour il vient pour sauver. Notre Dieu règne à jamais, notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses, à lui le premier. Et le dernier mot, alléluia, gloire au Dieu qui règne. Le plan du Père de grâce et faveur, des mains percées pour des pécheurs. Notre Dieu règne à jamais. Nous échangeons par son sacrifice nos souillures contre sa justice. Notre Dieu règne à jamais, notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses, à lui le premier et le dernier mot. Au ciel, sans autorité, en nous pourtant il y a habité. Notre Dieu règne à jamais. Tout pouvoir s'effacera, mais son royaume ne passera pas. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais.
Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Oui, en entendant Christine et Loïc, j'ai pensé à ce chant que je chantais quand j'étais enfant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, vous connaissez la suite. Et du coup, je vous propose de prendre un temps en famille pour prier, mettez cette vidéo sur pause, et puis remerciez Dieu simplement dans la prière pour tout ce qu'il a fait pour vous. Merci Christine, merci Loïc pour ces chants, pour ces pensées. Notre culte touche à sa fin et donc j'aimerais vous donner quelques annonces. N'oubliez pas l'encouragement pastoral le mardi et le jeudi la méditation. La semaine prochaine, c'est un culte particulier, ça sera un culte en commun, toujours en ligne, mais en commun avec toute la région PACA. Donc vous aurez la communication par email, je vous invite à le regarder. Allez, moi je vous dis bon dimanche à tous, profitez bien de cette liberté retrouvée, soyez tout de même prudents, et à la semaine prochaine !